Dominique Tirsi, qui a été président du Club Alpin Français de Haute-Provence durant 3 ans, de 2005 à 2012. Il est à l'initiative de la manifestation Chic un bivouac, le Cousson à la Belle Étoile, qui a rassemblé plus de 150 personnes. Il a créé et porté les deux festivals cinématographiques sur la montagne Cinécine de 2011 et 2012. Il s'investit pour les jeunes et notamment pour les activités alpinisme, escalade et école d'aventure. Récemment élu président du comité départemental de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne. De parapente acrobatique en Norvège depuis le 1er octobre 2012. Vice-champion du monde de la Fédération aéronautique internationale de ski et parapente. C'est appréciable. Oui, oui. C'est une forme de reconnaissance, racontez-moi. Ouais, c'est plaisir. Je suis dinois, alors ça fait plaisir. Sympa de récompenser pour le travail qu'on fait. Moi, c'est justement que c'est mon boulot et maintenant que je vais passer un peu de l'autre côté aussi de la barrière avec la création d'un club, d'un team et tout, bah, c'est important aussi d'être représenté maintenant en tant qu'athlète, mais aussi de commencer à parler un peu d'autre chose et de ma reconversion. Donc voilà. Plutôt content de tout ça et voilà, j'espère que ça continuera. Ça vous fait drôle, hein? Bah, j'étais déjà venu l'année dernière, mais pas avec autant d'acclamations. Thank you.